Bonjour Fabienne Crinon. Bonjour Patrick Attala, bonjour à tous. Allez, un bon plan ce matin qui nous rapproche de la mer et de Pornic principalement. Mais oui, mais oui Patrick, Pornic. Il fait... Oui. Beau. Oui. Beau. Oh, hein. Il fait si beau, Patrick. Oui. Et nous avons tellement de chance aussi, il faut le reconnaître, d'être proche de la côte. Donc profitons de cette ambiance vacances et bord de mer avec un bon plan qui nous fait mettre les voiles à Pornic. Et moi qui vous bassine souvent avec mon drapeau Made in France, eh ben ce matin, nous mettons en berne pour Made in Pornic. Et oui, on ne se débarrasse pas de moi si facilement. Bon, on ne sait pas toujours où vous nous embarquez d'ailleurs. Hein. Tout juste, tout juste. Mais nous filons réellement à Pornic, hein, Patrick, ah avec bon Valérie Normand, qui se consacre depuis pas mal d'années à la décoration intérieure en tant que maître d'œuvre pour nous mettre en relation avec les artisans lorsque nous voulons transformer notre maison. Et depuis bientôt 10 ans, sa société, qu'elle a appelée Made in Pornic, ajoute une touche originale pour nos terrasses et notre sieste, des voiles d'ombrage. Et quand je vous dis voile, il s'agit vraiment, esthétiquement, d'une grande surface de voile, comme pour un bateau, pour nous abriter du soleil. Bon, c'est un peu comme un store, en fait. Alors, c'est ni store ban, ni parasol, Patrick. Les voiles d'ombrage de Valérie, c'est une nouvelle génération, on va dire, de protection solaire pour nos terrasses extérieures, notre jardin, aux abords de notre piscine, près de notre baie vitrée. Alors, imaginez la voile d'ombrage de forme triangulaire, comme une voile de bateau, ou bien en forme de trapèze, avec ses quatre côtés. Et en surface, on est plutôt sur du 10 à 15 mètres carrés de toile, qui n'est pas de la voile de bateau, je le précise bien, c'est ça qui est important, mais plutôt une fibre résistant aux UV, au soleil, à la lune, la pluie, le vent, sauf la tempête, hein, faut pas pousser non plus, et fabriquée spécialement dans notre région par une voilerie de bateau. Bon, très bien. Alors comment ça s'installe, Fabienne, si c'est pas un store? Alors comme c'est une voile sur mesure, Valérie Normand prend les côtes, La côte sur la côte. Étudie avec nous l'orientation que nous voulons donner à ces voiles d'ombrage afin d'être plus ou moins à l'abri du soleil pour le déjeuner ou pour avoir le spectacle du coucher du soleil au dîner en été. Et puis notre capitaine de déco repère en façade de notre maison les points pour les pitons où la voile sera attachée ainsi que l'endroit dans le sol où sera fixé solidement l'unique mât qui soutient la pointe de la voile. Est-ce que vous me suivez? Oui, à peu près. Je ne vois pas ce que les serpents viennent faire là. Vous me parlez de pitons avec une voile, je ne comprends rien. Oh, vous êtes terrible. Bon, vous mélangez tout. Bon, allez donc sur le site madeinpornic.fr. Alors, à quel prix ces voiles d'ombrage? Alors, avec ces 150 possibilités de couleurs, ces deux matières au choix, mat ou micro ajouré, nous sommes dans les 1000 à 3000 euros en fonction du métrage et du mode de fixation du mât au sol. En gros, il faut compter 75 euros le mètre carré de toile. C'est très beau, c'est moderne, c'est astucieux. On peut même s'amuser à superposer deux voiles pour un effet visuel encore plus décoratif, très géométrique. C'est mon coup de cœur pour attirer le soleil et lui donner envie de poser ses rayons sur un joli système. Et puis vous savez Patrick, même en immeuble sur notre terrasse, c'est d'un effet superbe. Bon, faut juste que le syndic soit d'accord parce que là, vous savez bien qu'on vit tous sur le même bateau. Exactement. Oh, que c'est bien dit. Les voiles d'ombrage pour nos terrasses, j'imagine bien sur une terrasse, c'est sympa. Ah, avec superbe. Deux voiles en triangle, par exemple, une rouge, une bleue, ça peut être pas mal. Cool, les couleurs pomme, couleurs noires, voilà. Prune, ouais. Tout. Alors, Made in Pornic de Valérie Normand, vous allez sur le site www.madeinpornic.fr. Voilà, et vous cherchez ensuite voile ombrage, vous trouvez ça très facilement pour installer ça avant l'été. Parce qu'on utilise ça vraiment quand il fait très chaud. Hein. En cette saison, on arrive à vivre le soleil assez tranquillement. Oui, mais même s'il pleut, ça ne perle pas. Ah, enfin, oui, l'eau glisse sur la toile, en plus elle est légèrement inclinée. Mm-hmm. Donc ça vous permet de profiter, même sous la pluie, du bonheur. C'est très bien, en hiver, évidemment. C'est donc étanche.